la presse parlait des crises de télévisé. Nous représentait 42 vice délégués. Nous représentait 42 arrondissements du pays. Donc, mouvement noir, le visait deux projets. Premier objectif là, c'est de nous réunir à l'unanimité pour demander justice au président Jovenel Moïse. Parce que nous parlons deux mois depuis que le président a assassiné. Et jusqu'à date, comme on dit, il y a un. Et nous faisons des 77 fois, 7 fois, comme président, pour une justice. Deuxième objectif pour moi, c'est que ça fait près de 30 mois. Nous proposons de joindre vrai fonctionnaire. Même chef ordinaire là, qui était comme ça chaque mois depuis le président Mouin découpé. Aucun contractuel dans le ministère, nous ne pouvons jamais toucher. Délégation, vice-délégation, nous ne pouvons pas en bout. Même aide nous est appuyé. C'est tant de délégués actuels dans les ministre avec directeur général en l'occurrence, à mon secret, les vidéos du ministère là. Les vidéos du ministère là, l'allemand du canal, il y a un ministère là. Et nous réunions à faire pour nous demander tout à quoi le ministère. Pour nous bannir le ministère à Blanche, puis à rejoindre le ministère avec directeur général. Et tout en fait, monsieur, pas une chute avec nous là, nous dit. Ministère après des fonctionnaires, quoi que. Et le nouveau ministre en Moussila, est-ce qu'il n'y a pas rencontre avec les délégués? Pas jamais un rencontre du tout qui planifie avec les délégués. Pourquoi on dit qu'il y a un problème, non? À chaque fois, soit pour un directeur général ou un ministre, régler un bagage, il faut remettre toute longueur dans le trésor public. Trésor public chargé l'argent. Comme président Moui, comme vous dites, vous êtes présenté. C'est le président de la République qui est dans l'arrondissement. Est-ce que vous pouvez faire un tour de tout bas nous vannes? Depuis le président a mouru, vous avez coupé contact avec. Ça veut dire le président de la République ou vous avez dit que 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 vous avez dit que